Nécessairement non. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de rester en Ligue 1. Voilà. Et moi, je me concentre là-dessus. Et compte tenu de la situation sportive, hein, bon, on n'est pas relégable, mais on n'est qu'à 3 points d'avance. À 7 journées de la fin, on n'a que 3 points d'avance sur le 18e. Et je pense qu'il est important que toutes les énergies soient mises par rapport à ce maintien. Après, les discussions par rapport à la saison prochaine, par rapport à la saison à venir, mais on peut raisonner que saison par saison. On aura assez de temps pour les avoir, notamment si on reste en Ligue 1. Le championnat finit le 14 mai, reprend le 12 août. Si on reste sur la partie joueur, il y a énormément de joueurs sous contrat. Donc ouais, le chantier ne sera pas énorme par rapport à la saison prochaine. Donc c'est pour ça que je pense que moi, à mon niveau, hein, évidemment au niveau des recruteurs, il y a des observations qui sont faites sur des joueurs et on en parlera à un moment donné. Bruno Carotti, Antoine Di Fraia tournent beaucoup et ils ont des propositions à faire. Mais pour le moment, l'important est de se concentrer sur la fin de saison. Et je pense qu'on aura le temps, vu la situation. Ah ben on rentre dans la partie contractuelle. Moi, quand je me suis engagé au mois de janvier, il y avait la fin de saison, plus minimum un an derrière, quoi. Donc, oui, a priori, quoi qu'il arrive, je serai entraîneur. Ouais. Mais je ne suis que dans un objectif d'être entraîneur du Montpellier-Hérault en Ligue 1. Oui, non, mais non, moi, très sincèrement, je suis que sur la fin de saison, quoi. Je pense que si on reste en Ligue 1, les solutions, on les trouvera. Et préparer une saison prochaine sereinement pour faire une bonne saison prochaine, on le fera, je pense. Mais on ne peut pas mettre l'énergie partout. Aujourd'hui, on serait 10e au classement avec 44 points. On pourrait en parler. Mais très sincèrement, je pense qu'il est important aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas d'actualité. Il est important vraiment de tous, les dirigeants, le staff technique, le staff médical, les joueurs, les supporters, d'être très impliqué tout sur cette fin de saison-là, et les discussions sur l'avenir viendront en temps voulu, quoi. Je pense que le mois d'avril va être déterminant, le mois de mai sera décisif. Je pense qu'on a les moyens d'être sauvés fin avril. Donc voilà, il y a 5 matchs à jouer en avril. Soyons très concentrés sur ces matchs-là pour après pouvoir envisager l'avenir. Mais ce mois-là est trop important pour qu'on mette notre énergie ailleurs. On a de bons exemples sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des matchs qu'on a gagnés, notamment à l'extérieur. Et sans forcément avoir la possession, je pense qu'il est important qu'on soit tous concernés par les tâches défensives d'abord et retrouver de la simplicité offensive. C'est vrai qu'à Saint-Étienne, on a eu de la possession, mais une possession stérile parce qu'on a trop porté, parce qu'il y a des passes à faire qu'on ne fait pas. Et je pense qu'il est important qu'on retrouve cette simplicité dans notre jeu offensif. Donc ce n'est pas se mettre tous derrière. C'est continuer à bien bosser ensemble sur l'aspect défensif, mais dans les périodes de transition, aller peut-être plus vite toucher nos attaquants. Et c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, Nice et Saint-Étienne, et surtout à Saint-Étienne, on n'a pas assez vite touché nos attaquants, on n'a pas joué assez simple, et on a perdu du temps dans le jeu, ce qui nous a pas permis de mettre suffisamment en difficulté Saint-Étienne. Oui, et ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler la semaine prochaine pour préparer le match de Guingamp. Ouais, mais l'observation, elle est très juste. Moi, après Paris, j'avais dit au groupe, on verra, le match de Nice et Saint-Étienne nous diront quels peuvent être nos objectifs de fin de saison. On aurait pu gagner ces 2 matchs-là, on aurait pu prendre 4 points, on aurait pu en prendre 2. On en a pris 0. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à nouveau dans une situation, même si on n'est pas relégable, hein, parce qu'on a quand même 3 points d'avance sur 2 équipes, Reims et Ajaccio. Donc voilà, la situation elle n'est pas détériorée, je dirais, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler aux joueurs. Les joueurs aujourd'hui, après la défaite à Saint-Étienne, sont conscients qu'il faut se remettre dans des dispositions de maintien et uniquement de maintien. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur, ça veut dire qu'il faut être craintif de nos adversaires et revenir à des choses simples. Et je pense que les joueurs en prennent conscience. On est dans une semaine particulière parce qu'il nous manque les 6 internationaux, donc on n'a pas tout le groupe pour travailler. On est dans une semaine où on remet plutôt à flot athlétiquement et où on est allé marcher aussi, où on veut que l'état d'esprit positif perdure, parce que l'esprit il a toujours été bon, il est encore. Mais à partir de la semaine prochaine, effectivement, quand les internationaux, dès le début de semaine, même sans les internationaux, on va commencer à préparer Guingamp. Et après, les internationaux rentreront. Jusqu'à la fin de saison, on va tous travailler ensemble puisqu'il n'y a plus de matchs internationaux. Et c'est vrai que là, on est vraiment mentalement, tout le monde s'est remis dans le fait de dire, attention, il faut qu'on retrouve de la simplicité, il faut qu'on retrouve de l'efficacité, parce que sur les 3 derniers matchs, on n'a pas marqué et on a pris 5 buts. C'est vrai, c'est
Vous avez été à Bastia, donc Bastia. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, Bastia joue chaque année, joue le maintien. Oui, et puis il y a des valeurs à mettre en œuvre pour jouer un maintien. Mais c'est vrai que la saison Montpellier-Rennes est particulière, où au début de saison, tu t'attends pas à ne faire qu'un nul sur les 7 premiers matchs, quoi, par exemple, quoi. Et après, il y a une bonne série. Après, il y a eu des résultats moins bons, puis une nouvelle bonne série. Et là, on retombe sur deux défaites consécutives. Donc, c'est une saison particulière. Moi, je pense que notre groupe, il est armé pour jouer le maintien. Ça veut dire quoi, jouer le maintien? Jouer le maintien, ça veut dire gagner certains matchs, être meilleur que certaines autres équipes pour ne pas être dans les trois derniers. Donc, il y a des aspects psychologiques, mais aussi, il y a une qualité de jeu à avoir, quoi. Donc, on pourrait répondre à l'affirmation de Guégan. C'est vrai que Grince joue le maintien depuis 2-3 ans, mais ça use aussi. On verra quelle sera l'issue de la saison. Il est important d'être prêt mentalement, mais il faut aussi être prêt dans son jeu, prêt à être efficace et travailler là-dessus. Et moi, je pense que le groupe Montpellier-Rennes, il est au moins autant prêt que Guingamp, que Reims, que Ajaccio à jouer ce fameux maintien. Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans... Quand on joue un maintien, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Il y en a où il faut absolument être présent. Quand tu joues un maintien, c'est comme quand tu es dixième ou quand tu es cinquième que tu vas aller plus haut, c'est faire tout ce que demande un match de Ligue 1, c'est-à-dire bien défendre, être efficace offensivement. C'est ça qui est important de faire. Et peut-être que sur les deux derniers matchs, effectivement, on a manqué de réussite contre Nice parce qu'on fait une très bonne première mi-temps. Et je pense que le fait de ne pas marquer contre Nice nous a fait du mal sur Nice, mais aussi sur Saint-Etienne. Mais il y a des choses, même si on a perdu contre Nice, il y a des choses je veux dire qu'on doit garder de ce qu'on a fait contre Nice. Saint-Etienne a été une vraie déception. Et les enseignements de ces deux matchs, c'est effectivement peut-être d'aller jouer plus vite quand on est en possession du ballon. Ça ne peut pas être que ça. Il faut l'être. On parlait de Reims et de Guingamp. Reims, ils ont reçu Guingamp. Reims, ils ont dominé tout le match. Et ils ont perdu, quoi. Donc c'est aussi, alors qu'ils ont fait un match... engagé avec les valeurs qu'il fallait, mais ils ont perdu peut-être aussi parce que dans les choix de jeu, dans la réussite offensive, dans ce qu'ils ont mis en place, il y avait des choses insuffisantes. Ils ont changé tactiquement pendant le match, ils ont commencé à 5 derrière, ils sont passés à 4. Donc c'est pas que mental, c'est pas que se battre, ça compte beaucoup aussi. C'est-à-dire que Pour gagner ces matchs-là et dans les confrontations directes, c'est ce qu'on va avoir contre Guingamp. Il faut être prêt mentalement, mais il y a d'autres choses à mettre en œuvre. Et puis surtout, il faut avoir de la confiance en ce qu'on fait. Il faut que l'équipe elle soit fraîche, elle soit dynamique, que les joueurs aient envie de jouer les uns pour les autres. C'est ça qui est important. On a perdu les deux derniers matchs qu'on perd, enfin les trois derniers matchs où on ne marque pas et où on ne gagne pas, c'est contre Paris, Nice et Saint-Etienne, quoi. Donc c'est aussi des adversaires qui sont de haut niveau, qui sur certaines séquences de matchs nous ont été supérieurs. Donc il faut tout lire, quoi. On a gagné certains matchs, mais on a gagné contre qui? Contre Ajaccio, quoi. Enfin, moi je parlerai que des 9 matchs où j'ai coaché l'équipe. On a battu Ajaccio, on a battu Angers qui à l'époque n'était pas très bien, on a battu Toulouse. On a battu Lille, qui sur la deuxième mi-temps, enfin, qui Lille a fait peut-être son moins bon match de 2016, parce que Lille a des résultats extraordinaires sur les deux derniers mois, et puis contre nous, heureusement, ils n'ont pas été au top, mais nous, on a fait ce qu'il fallait. Donc, il faut, dans l'analyse des résultats, il faut tout lire, ce que nous, on a fait, et ça, c'est le plus important, et je pense qu'on est capable de battre des équipes de haut de tableau, mais on n'a pas su le faire contre Paris, Nice et Saint-Etienne, parce qu'on n'a pas mis tout ce qu'il fallait sur la durée du match. Et on doit être capable aussi de battre des équipes qui sont à notre hauteur, ce qu'on a fait sur les derniers matchs, quoi, ce qu'on a fait. Donc il y a ce que tu fais toi, la qualité de ce que tu fais, puis il y a aussi la qualité d'un adversaire. Je pense qu'on perd contre Nice parce que sur ce match-là, Nice a fait un très beau match. Lille avait peut-être fait le plus mauvais match de ces deux derniers mois et Nice, je pense, a fait son meilleur match depuis les deux derniers mois, quoi. Donc c'est ce qui explique aussi des fois qu'un résultat soit positif ou ne le soit pas. Je crois pas que ça se joue sur des détails, mais c'est des détails qui sont accumulés. La saison de Montpellier est difficile parce qu'il y a eu une entame de championnat difficile, ce qui fait que psychologiquement, après, dans le groupe, mais aussi dans le club et dans l'environnement du club, il y a des inquiétudes. L'équipe, depuis le début de la saison, a souvent été modifiée parce qu'une équipe type n'a pas été trouvée. Ça, c'est lié à beaucoup d'éléments. Quels sont les joueurs qui composent le groupe, la complémentarité des joueurs. Il y a des lignes où il y a beaucoup de joueurs et des lignes où il y a moins de concurrence. Donc c'est un ensemble. Mais cette analyse-là, je pense qu'il faudra la faire en fin de saison pour justement améliorer ce qui a été fait et puis l'an prochain avoir une saison plus constante. Mais avant d'en arriver là,
Il faut vivre match par match. On aura encore, sur les 7 derniers, on aura encore des déceptions, forcément, j'espère le moins possible. Et surtout, c'est être axé tous ensemble pour être capable de rééditer les performances de Ajaccio, de Toulouse et d'Angers. C'est ça qui est important. Il faut vraiment qu'on s'inspire de ce qu'on a fait de bien pour pouvoir le reproduire.